Bonjour, Éric Gibault, éricgibault.com. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois souvent ou je lis beaucoup sur Facebook en général. Et c'est je viens d'acheter tel appareil photo, quelle configuration me recommandes-tu? Ou je vais faire une photo de telle situation, quelle configuration me recommandes-tu? Donc, c'est ce que je vais te répondre maintenant. Voilà, c'est parti! Alors évidemment, ce n'est pas une question qu'on me fait qu'à moi, hein, c'est une question que je vois un peu partout. Donc je vais te répondre, il y a deux réponses, la courte et la longue. Alors la réponse courte, c'est quelle configuration je peux te recommander? Aucune. Aucune. Pourquoi? Parce que si tu as pris la décision de configurer ton appareil photo pour des situations, c'est que tu ne veux pas utiliser d'automatisme. Donc si tu ne veux pas utiliser d'automatisme, tu te rends compte que chaque situation est différente et donc sans être avec toi et avoir ton matériel, c'est complètement impossible de te conseiller. Il n'y a que toi qui peux savoir la situation et il n'y a que toi qui peux configurer ton appareil photo. Bon, ça c'est la version courte. Maintenant, la version longue. On peut t'orienter. Il y a des petits coups de pouce, des petits conseils, des trucs comme ça. Mais la décision finale, il n'y a que toi qui peux la prendre, même souvent, même pas la finale. Depuis le début, il n'y a que toi qui peux décider. Il faut que tu te mettes bien dans la tête qu'il n'existe pas de configuration idéale. Il existe des configurations idéales pour des situations. Mais il n'y a pas de configuration universelle de ton appareil photo. Ça n'existe pas. C'est chaque situation demandera une configuration. En plus, ça dépend aussi des goûts de la personne qui fait la photo. Moi, j'ai peut-être une vision de portrait qui demande une configuration différente de ta vision d'un portrait. Donc là, je ne peux vraiment pas t'aider, quoi, parce que c'est surtout toi qui dois décider ça. Je peux t'orienter, mais le faire à ta place, à distance, c'est impossible. Le premier truc à faire, obligatoirement, je vais le répéter plusieurs fois, le premier truc à faire, obligatoirement, le premier truc à faire, obligatoirement, lire le manuel de ton appareil photo. C'est impossible que tu configures ton appareil sans savoir quelles sont les possibilités de ton appareil. Ça, c'est indispensable. Indispensable. Tu dois prendre ton appareil photo en main, le manuel en main, lire du début jusqu'à la fin plusieurs fois en prenant des notes, en cherchant dans les menus à quoi ça correspond, c'est marqué tel truc. Tu ne comprends pas forcément ce que ça veut dire exactement, mais tu cherches le bouton, tu sais qu'il existe, parce qu'au fur et à mesure que tu apprendras, tu vas dire, ah ouais, ce truc, j'avais entendu dire. Ah bah attends, c'était en tel endroit. Donc, tu dois lire le manuel. C'est indispensable. Il y a plein de gens qui ne veulent pas lire les manuels et ils ne profitent pas de leur appareil photo. Si tu ne veux pas lire le manuel, n'achète pas d'appareil photo. Utilise un truc tout bête, un jetable ou ton appareil photo, même utilise ton téléphone mais sans application pour apprendre à faire des photos. C'est un truc le plus simple. Fais la photo et n'embête personne. Si tu ne vas pas lire le manuel de ton appareil photo, oublie. Évidemment, il y a quelque chose qui peut t'aider à découvrir quelles sont les meilleures configurations pour ton appareil photo. Parce qu'en fait, 80% ou 90%, 90% des appareils photo viennent avec des automatismes qui peuvent t'aider. Et ceux qui viennent sans automatisme, en général, c'est des appareils de plus haut niveau. Donc, les gens qui l'utilisent, ben, savent déjà se débrouiller. Donc, ils n'en ont pas besoin. Alors, il y a deux types d'automatismes. Il y a le mode complètement automatique. Et après, il y a les modes scène, ce qu'on appelle les modes scène. C'est-à-dire ben, portrait, paysage, feu d'artifice, trucs comme ça, tu vois, tu mets, tu choisis la scène et ça va faire la photo. Alors, à quoi ça sert ça? Ben, ça sert si tu veux jamais apprendre, mais si tu veux apprendre, comment tu peux l'utiliser? Eh bien, normalement, l'appareil photo, il était pensé par des ingénieurs qui essaient de trouver le chemin du milieu qui fait que tu n'es jamais dans un extrême, donc la photo sera toujours plus ou moins bien. Ça ne sera peut-être pas la meilleure photo au niveau qualité, il faut quand même que tu mettes de ta part, hein. L'appareil photo il fait pas tout non plus, mais il va prendre des décisions. Par exemple, si j'indique le mode portrait, ben, il va essayer de que le fond soit plus flou. Si je mets le mode feu d'artifice, ben, il va calculer pour que le temps d'exposition soit idéal pour qu'on voit le feu bien ouvert, voilà, truc comme ça, voilà. Alors, ce que tu peux faire, c'est démarrer avec ça. Tu vas faire une photo par exemple de sport, tu mets en mode sport, tu fais la photo. Et quand tu fais la photo, alors, après avoir fait la. Aujourd'hui, j'ai pris l'Olympus noir. Après avoir fait la photo, tu vas sur la photo, tu regardes, et là, tu sors les infos. Et là, les infos, tu vas voir, ça m'indique que cette photo, elle était à F9,
200 ISO, telle vitesse, telle ceci, telle cela. Donc, tu as une base pour savoir qu'a fait l'appareil photo en prenant la décision pour toi. Et donc, à partir de cette base, tu vas passer après en mode manuel. Je vais te laisser un lien là sur comment configurer ton appareil en mode manuel. Et à partir de là, tu vas choisir quel paramètre tu veux modifier pour faire la photo à ton goût. Par exemple, tu remarques que ça c'est bien, mais tu aurais voulu plus de profondeur de champ. Eh bien, il faut fermer le diaphragme, mais où est-ce que tu dois compenser? Ou au contraire, voilà, ceci, cela. Mais enfin, tu as un point de départ. Donc, ton appareil photo peut déjà te faire une partie du boulot. Quand tu le mets en automatique ou des modes scène, ça va déjà te donner des infos qui vont te permettre ensuite de faire, de peaufiner ou d'ajuster selon tes goûts. Voilà. Alors ça, c'est une grande aide parce que en fait, lui, il est avec toi. Voilà. Moi, je ne peux pas à milliers de kilomètres ou même à 10 mètres si je ne suis pas là, savoir exactement quelle est la situation de lumière ou la situation de vitesse ou tout ça pour dire, bah voilà, tel truc, il faut que tu fasses ça. Ben non, si je ne suis pas, et en plus, je n'ai même pas ton matos, ce n'est pas forcément évident. Par contre, l'appareil photo, il est avec toi et il peut t'aider. Alors ça, c'est le premier truc. Là, je suis en train de parler de vitesse, diaphragme, mais il y a d'autres choses. Par exemple, un truc que beaucoup de gens ont mal configuré, c'est l'autofocus. Ils ont l'autofocus en continu au lieu de l'avoir en simple. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? L'autofocus en continu, ça prend une personne en mouvement ou un objet, n'importe quoi, et ça le suit sans arrêt. Et si tu ne fais pas de photo d'action, ça va te créer un problème, ça. Par exemple, là imagine j'ai l'appareil photo qui est en autofocus en continu. Je vais faire une photo de mon doigt. Voilà. Et puis j'ai pris le point central pour faire l'autofocus. Ça, puis je dis, mais je parle le doigt au milieu, je vais recadrer. Mais alors donc j'ai fait une mise au point en appuyant à mi-chemin, ok? Mise au point est faite. Je bouge pour recadrer, mais comme l'appareil en continu, tout d'un coup le point central il voit plus mon doigt, il va tirer par le fond et il va mettre au point sur les piles que j'ai sur la table. Résultat, eh bien mon doigt sera flou. Donc si c'est pas de la, alors, parce que je suis dans une configuration de photo d'action, là je suis pas en train de faire de l'action. Donc pour le type de photo que je fais maintenant, ce que je dois faire c'est être en simple, c'est-à-dire que quand j'appuie, une fois que j'entends du clic-clic, la mise au point est faite. Tiens, je vais le faire d'ailleurs, tu entends? Ok. Tu vois, la mise au point est faite. Même si je recadre, là, il ne perd pas la mise au point de mon doigt. Par contre, si j'étais en continu, d'ailleurs, il ne ferait plus clic et il recalculerait sans arrêt la mise au point. Donc, premier truc, si tu ne fais pas de photo d'action, l'autofocus, tu dois le mettre en simple. Désactiver l'autofocus de suivi continu. Deuxièmement, la rafale. Je vois des gens qui font des photos à un caillou et puis on t'entend photo de l'arbre d'à côté. Non, désactive la rafale. Si tu n'es pas en train de faire des photos d'action où tu as besoin d'une rafale, désactive la rafale parce que tu es en train d'occuper ta carte de mémoire. Après, tu occuperas ton ordinateur, tu uses ta batterie. Tu fatigues ton obturateur puisque tu vas l'utiliser plus que nécessaire, donc oublie la rafale si tu n'es pas en train de faire de photo d'action. Et même que fois en photo d'action, on ne prend pas forcément la rafale, mais enfin là, ça se justifierait quand même beaucoup plus. Voilà. Deuxièmement, pour la mesure de lumière, alors je te mets le. N'oublie pas le lien de la mesure de configurer ton appareil photo en manuel. La mesure de lumière, ben, en bref, un point central, ok, situé en réflexe. Point central. Tu mesures, là, tu fais une mesure de lumière, tu te mets à mi-chemin, voilà, hop, mesure de lumière, et tu décides là où la lumière va être OK, voilà. Ce qui doit être bon, voilà. Deuxièmement, si tu es en mirrorless, comme c'est mon cas, là, il faut que tu mettes non pas en ponctuel central, en point central, mais en matriciel, ça couvre tout le capteur. Et aussi activer des avis de haute lumière. Tous les appareils, la plupart des appareils mirrorless permettent de le faire. Alors, voilà, pardon. Alors tu vois, je sais pas si tu vois là. Tu vois là, ça se met en orange parce que j'ai des cramés. Et si c'était à l'envers, au lieu d'être en orange, eh bien ça se mettrait en bleu. Voilà. Alors ça, c'est sur Olympus. Je te laisse une vidéo pour la configurer si tu vas apprendre à le faire. Voilà. Sur des autres appareils, c'est pas forcément des zones comme ça en couleur, ça peut être des rayures, des trucs comme ça. Mais sur les mirrorless, ça marche comme ça. Donc ça, active-le. Deuxièmement, aussi bien mirrorless que les réflexes, je parle de ça, mais c'est aussi les bridges, hein.
Tu as la possibilité souvent d'avoir les avis de haute lumière une fois que tu as fait la photo. C'est-à-dire que sur les mirrorless, tu peux le savoir avant, mais sur les réflexes, tu peux pas le savoir avant. Parce que tu as le miroir qui est devant, donc c'est pas vraiment le capteur qui fait la mesure. Simplement, tu vois un truc et puis on ne sait pas encore tant que la photo n'est pas faite. Mais tu as l'option, une fois la photo faite, d'avoir les avis là où c'était cramé ou pas cramé. Donc, ou trop sombre ou trop de lumière, hein, je parle cramé. Donc, si tu as cette option, active-la sur ton chargeur de ton manuel. Active-la pour que, une fois la photo faite, en regardant sur l'écran, tu sais déjà s'il y a des zones à problème. Okay? Autre chose importante, quand tu fais une photo, alors je vais remettre un peu de lumière, voilà. Alors là, le mien il est activé pour que tu vois ce qui se passe. Les trois quarts des gens, ils ont la révision automatique. Alors je vais faire une photo, tu vois. Alors quand ils font la photo apparaît à l'écran et reste bloquée un bon moment, 2, 3 secondes. Ça veut dire que, tant qu'elle ne disparaît pas, tu ne peux pas faire une autre photo, sauf si tu appuies légèrement sur le déclencheur. Là, ça l'a fait disparaître et tu es prêt pour la photo suivante. Mais ça peut freiner ton mécanisme. Donc, sauf dans certains cas, ça t'intéresse de le configurer comme ça, le mieux, c'est de virer la révision. Et après, quand tu veux vraiment voir, tiens, tu as fait 5-6 photos, tu veux regarder, mais tu appuies sur le play et puis tu regardes tes photos. Mais une autre chose, c'est que je me suis rendu compte que les gens, quand ils avaient la révision, ils sont là et tout de suite, ils regardent et tout de suite, ils regardent. Et il arrive un moment, surtout quand il y a des vitesses lentes, eh bien ils ont des flous de bouger, hein, simplement parce qu'ils n'ont pas encore fini la photo, ils sont déjà en train d'essayer de regarder. Donc désactive ça. En plus, ça te consomme énormément de batterie, hein, donc je te conseille de désactiver, tu regardes dans tous les sens que tu veux, vaut mieux désactiver cette fonction. Les appareils photo gèrent les couleurs de deux manières, ou en Adobe RGB ou en sRGB. Alors sRGB, ce n'est pas Super RGB, mais Small RGB. C'est-à-dire que l'Adobe RGB, c'est rouge, vert, bleu, ramasse, alors en français c'est RVB, quoi, ramasse beaucoup plus de couleurs en Adobe qu'en sRGB. Donc ton appareil photo, il faut que tu le configures en Adobe RGB. Mais attention, quand tu vas éditer, quand tu vas développer tes RAW ou tes JPEG, enfin quand tu vas récupérer tout ça sur l'ordinateur, si tu as du Adobe RGB, tu vas pouvoir éditer en Photoshop, en Lightroom sans aucun problème. Mais par contre, si tu veux les monter sur les réseaux sociaux, hein, tu vas voir que les couleurs vont plus être les mêmes. Parce que les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et tout ça ne supportent pas le Adobe RGB mais le sRGB. Donc avant de monter ça, il faut que depuis ton Photoshop ou ton Lightroom ou le programme que tu l'utilises, que tu exportes tes photos comme sRGB. De cette manière, tu auras les couleurs correctes sur les réseaux sociaux. Si tu veux utiliser l'histogramme, alors moi j'aime pas du tout les histogrammes parce que j'ai une manière de travailler qui me convient. J'aime pas les histogrammes parce que ça te dit trois quarts du temps, tu perds du temps parce que un jour je ferai une explication sur les histogrammes. Mais enfin bon, pour te résumer, j'aime pas les histogrammes. Voilà. Alors moi je te conseille toujours, si tu veux utiliser les histogrammes, de mettre les histogrammes RGB qui t'indique chaque chaîne. Alors, tu as en blanc le général, c'est-à-dire les hautes et les basses lumières, et partout, après le rouge, le vert et le bleu. Alors, un jour, je ferai une vidéo sur les histogrammes. Enfin bon, pour l'instant, sache que si tu veux utiliser les histogrammes, utilise la version avec toutes les informations sur chaque canal de couleur. Équilibre des blancs, balance des blancs. Moi, je te conseille en général d'utiliser l'automatique. Mais si tu te rends compte qu'en automatique, dans la même situation, par exemple, là je fais une photo là, puis un coup elle sort un peu plus bleu, enfin un peu plus vert, un peu plus rouge, un peu plus magenta, un peu plus... il y a une instabilité. Dans ce cas-là, l'automatique, c'est vrai que tu pourras toujours corriger si tu es en RAW, corriger en post-production. Mais le problème, c'est que si tu as 20 photos, hein, tu vas avoir des corrections à faire différentes. Donc quand tu te rends compte qu'il y a une situation comme ça, tu dois fixer une balance des blancs en Kelvin. Alors, par exemple, sur la lumière du jour, ben, c'est entre 5400 et 5700. Si par exemple, tu es la nuit dans une rue où il y a un éclairage public orange, ben, c'est peut-être à 2800. Donc de cette manière, toute ta série va avoir la... Ça sera peut-être pas... Le résultat ne sera peut-être pas parfait, mais comme l'erreur va être la même sur toute ta série, hein, après, sur Lightroom, tu vas corriger le premier. Hein, et tu pourras appliquer la correction sur tout le reste de tes photos de cette série. Alors, évidemment, si tu changes de coin, il faut que tu refasses le show. Voilà. Enfin bon, ça veut dire que normalement, balance des blancs en automatique, sauf si c'est pas stable, donc il indique une mesure en Kelvin qui te semble le plus proche de... tu fais un essai, hein, et que ça ressemble mieux à la réalité, quoi, pour qu'après, tu n'aies pas un truc de dingue non plus pour rectifier. Voilà. Au moins que l'erreur soit la même sur toute ta série.
Eh bien voilà, moi, là, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, mais attention, j'ai oublié plein de choses parce qu'il y a plein de choses d'autres à dire, mais j'ai essayé d'aller un petit peu à l'essentiel. Mais n'oublie pas que la configuration idéale pour un appareil photo n'existe pas. C'est la configuration idéale suivant la situation et suivant tes goûts. Donc, personne ne peut vraiment t'aider là-dessus. Moi, ce que je te conseille, c'est en plus, c'est de t'entraîner. Parce que quelquefois, je vois des gens qui me disent: ah, ben demain, je vais à un anniversaire, qu'est-ce qu'il me faut comme configuration? Ben, je sais pas. Je sais pas, c'est en extérieur, à l'intérieur, tu vas prendre un flash, tu vas pas prendre de flash. C'est coucher du soleil, c'est comment? Ah non, non, c'est à l'intérieur, je vais prendre un flash. Pourquoi tu me poses la question? C'est à l'intérieur de quoi? D'une maison? Et tu peux pas faire un essai chez toi, tu dis à ton cousin, ton frère, ta mère, ton fils, ton mari, ta femme, n'importe quoi. Mets-toi là une seconde, tu fais une photo avec le flash et tu vois comment ça sort. T'as besoin d'attendre le lendemain, le jour de l'anniversaire pour faire l'essai? Non, faut t'entraîner. Tu vas faire, je sais pas moi, des photos pour un copain qui fait de la moto et il va faire une course, bah, tu vas pas faire ton essai la course. Tu dis, mais tu vas pas t'entraîner? Si, si, je vais au circuit tel jour. Bah, tu y vas avec lui. Et puis tu t'entraînes pour voir quelle est la meilleure configuration pour toi, tu vois. Donc il y a beaucoup trop de gens qui veulent tout mâcher, quoi. Ils posent la question, ah, mais dans ce cas-là, n'achète pas un appareil photo. Tu prends ton téléphone, n'installe même pas une app pour faire des photos en manuel sur ton téléphone. Utilise directement l'application de photos du téléphone et puis ça va le faire tout seul, quoi. Ou t'achètes un compact tout bête et puis ça fera tout seul. Donc à partir du moment où c'est toi qui vas prendre les décisions, tu es comme un grand avec ton appareil photo. Hein. Il n'y a personne qui peut vraiment t'aider exactement. Je peux t'orienter, par exemple, tu dis je veux faire du panning, tu sais, quelqu'un qui marche comme ça ou un vélo qui passe, la personne est nette et puis il reste est flou. Eh ben, fais des essais, tu sais qu'il faut que tu mettes une vitesse suffisamment basse pour pouvoir suivre et puis que le reste flou, mais fais des essais, tu vois, tu t'entraînes et apprends à te mettre dans situation nouvelle. Par exemple, tu lis le manuel, tu dis tiens, c'est quoi cette fonction? Ah, c'est bien bizarre ça. Essaye, n'attends pas le jour J pour faire l'essai, voilà. Voilà, ben j'espère que cette vidéo peut aider quelques personnes. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes que toi, s'il te plaît, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Ici, il y a un bouton et aussi une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erikgibault.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erikgibault.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous ou m'envoyer un email à info@erikgibault.com. Dessous, j'ai aussi mis des liens de mon matos sur Amazon et aussi des liens vers d'autres sections de ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, au revoir.